faire, c'est ici, à Huée. À Huée, c'est parti, on y va. Et alors ce soir, le concert, ça se passe dans le palais du dernier roi du Vietnam. Maintenant, on fait quelques petites répétitions avant le show. On va enchaîner le concert, on est vraiment fatigué, on n'a pas dormi de la nuit. Petite vitamine pour se réveiller. Regardez ce qu'ils ont mis là, ça fait vraiment plaisir. Fatigué. Il y en a qui a failli tomber aussi. Ouais, il est tombé pendant le concert, c'était très très drôle. Je sais pas si on a les images, mais sur les. Si, c'est filmé. C'est filmé ? Ah, bon, on va le remettre à ralenti. Bah, j'ai failli mourir. Voilà. Yo! Salut à tous! Deuxième jour au Vietnam, toujours à Hue! Alors aujourd'hui, on va manger avec le comité du festival. Allons-y! Voilà, petit buffet à volonté. On est avec notre ami Tam. Ça va très bien! D'où tu viens? Je viens de Hue au Vietnam. Je suis vietnamien. J'aime bien beaucoup le groupe Meatball a cappella. Ah! Merci beaucoup! Maintenant on est dans la chambre d'hôtel et comme à notre habitude, vous savez que quand on voyage, on aime bien reprendre des chansons avec des instruments traditionnels. Et donc là, on se laisse 2 heures de répétition pour aller tourner un clip dans les rues du Vietnam. Ouais, faut trouver un truc. Comme si elles sont tous, ça marche hein. Bah, je pense. Et aussi, tu commences par. Avec lui, il fait la tienne. Non, voilà, ça se prend la tête comme d'habitude. Mais non, mais lui, mais on va trouver. Pas, on va trouver. J'essaie de. Regardez le nombre de motos. Wow. Hein, toutes ces motos, quand ils roulent doucement. C'est la loi du plus fort. Troisième jour, nous partons de l'hôtel direction Da Nang. Let's go. Mais qu'est-ce que tu fais, Bitness? J'avais bien de ranger un truc dans la valise. Ouais, ouais. Non. Bitness, il vient de piquer les tongs dans la chambre. Et la meuf de la réception lui a dit. Moi, j'ai dit qu'elle les tongs, vous les rendez s'il vous plaît. Alors là, on va manger un petit bout en ville avec 1 million chacun. On est riche! On est millionnaire! Ça fait 40 euros. C'est bon! Je vais prendre 5 minutes pour faire une petite présentation de ce personnage que vous voyez toujours avec nous. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis régisseur de Berry Wap. Et vous pouvez apercevoir qu'à chaque fois que vous le verrez, il aura une chemise. Et toujours des chaussettes originales. Ah, aujourd'hui, ah. Alors c'est du palmier caché. Moi, c'est très drôle, on vient de trouver un resto et Ritman il est pas content parce qu'il aime pas le poisson. C'est bon, il y a que du poisson. Et ça y est, on est servi. Si, c'est la soupe. Alors lui, c'est pas son repas, il vient de faire tomber son téléphone dans la soupe. C'est bon. Il est tombé dedans entier quoi. Go. Salut à tous,
Alors aujourd'hui c'est le 4e jour. On est en direct de Danang dans la chambre d'hôtel. Là, c'est petite séance de sport. Fitness, ça va? Ça va. Le petit bisti. Ça va ou quoi? Cool. Quel athlète, con, quel athlète! Palala! Fitness, petit défi, tu dois faire une roue très rapide. Franchement, je tenais vraiment à remercier l'Alliance Française parce qu'ils nous mettent vraiment bien dans les hôtels. Regardez, là, on a une grande piscine. Ça va? Et c'est parti! Nous voilà arrivés sur le site de Danang, près de la plage. Ça y est, on vient de finir les réglages, les balances. Le son est très très compliqué ce soir. Ça va être assez rude. T'es chaud, Fitness? Ça va être dur, mais ouais. Voilà, maintenant petite séance dédicace, c'est plaisir. Alors le show est terminé, c'était vraiment la folie, il y avait vraiment beaucoup de monde. Merci encore beaucoup Danang, c'était super. Et Bisti, il est pas content, on peut le dire à la caméra. Oui, on peut le dire, moi j'ai mal joué ce soir. Voilà, ouais, je vous le dis, je vous l'avoue. Non, c'était cool. Non, c'était bien. Parce qu'il est, très exigeant avec lui-même. Oh, t'as été une grosse merde aujourd'hui. Il a été nul. Oh, t'as été nul. Quatrième jour terminé. On a bien mangé. Putain, mais arrête de cachonner, tu me caches le vlog. Demain, direction Hanoï. Demain, c'est direction Hanoï. Demain, Hanoï. Allez. Ciao le vlog. Ritman, tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais, Loïc? Rien.